Récapituler un peu ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que bah je suis complètement mort, je n'existe plus. Ça fait bizarre parce que bah avant je recevais beaucoup de ping, beaucoup de messages de personnes qui me demandaient salut Dragan, est-ce que tu peux me PLS, est-ce que tu peux venir jouer avec moi? Et maintenant bah j'ai l'impression de décompresser. Il y a plus rien, il y a plus personne. C'est mon monde personnel à moi et je vous avouerai que c'est pas du tout le monde que je veux. Voilà, ça me chagrine, ça me fait du mal, au fond de moi je suis pas bien. Je veux pas faire le mec genre vas-y du jour au lendemain, tac, je change de vie, je fais autre chose que ce que je fais d'habitude. Non, ça me ressemble pas. Pourtant, il y a beaucoup de choses que j'aime. Franchement, il y a beaucoup de choses que j'aime. On a enlevé une part de ma vie, les gars, je vous jure, ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Les gars, laissez-moi vous récapituler du coup de A à Z ce qu'il s'est passé. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je sais même pas d'ailleurs si cette vidéo sera postée sur la chaîne principale ou sur une nouvelle chaîne. Mais on est là pour prendre des décisions et pour parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis le début et puis de cette fin. Voilà, de cette fin qui n'était pas prévue non plus mais qui arrive et franchement j'en suis malade. Voilà, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots pour dire ce qui s'est passé. Ça me fait vraiment de la peine. Mais juste avant que celle-ci commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette petite vidéo, ça fera toujours plaisir. Nous avons commencé la chaîne YouTube en août 2021 et je vous avoue les gars qu'en août 2021 j'étais là à mes débuts et c'était tellement 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 différent d'aujourd'hui. On était dans un mood où il y avait personne. On était une chaîne qui venait de nulle part, qui venait d'ouvrir sur du Minecraft avec à la base c'était un groupe d'amis, enfin c'était des amis, c'était Arcasia qui m'a aidé, qui m'a donné aussi envie de continuer à faire mes lives parce qu'il était là et il connaissait des choses sur Minecraft. Et donc du coup grâce à lui en partie du coup j'ai pu continuer Minecraft sans arrêter. Et puis ça a porté ses fruits puisque fin décembre 2021 on a réussi à dépasser peut-être les 300-400 abonnés grâce à Minecraft. Bon, c'est pas non plus quelque chose de fou, mais c'est quand même bien. Et franchement, j'en suis fier. Voilà, aujourd'hui, j'en suis fier. Oui, faites pas attention au décor. Hein. Il n'y a plus rien qui va. Hein. Mais il y a pas que moi qui est parti. Il y a même le décor qui s'en va là. Il est en train de fuir, il est en train de déménager. Non, mais tout ça pour vous dire que jusqu'à là, tout était vraiment. Enfin, franchement, on s'est tellement vu évoluer durant les années qui suivaient. Genre, on est passé de 2021 à 2022. On a pris plus de 2000 abonnés. Genre, en une année, on a pris 2000 abonnés. Ça, c'est sûr. Et après, on est arrivé en 2023 où là, on est carrément arrivé aux 4000. Donc, on a pris 2000 de plus. Et puis on était du coup arrivé en 2024, donc jusqu'à aujourd'hui, et on venait de dépasser les 5000 abonnés sur la chaîne. Voilà, la chaîne s'affiche juste ici pour ceux qui voudraient la voir. Donc pour vous expliquer un peu du coup ce qui s'est passé réellement, en fait, à la base, ma chaîne YouTube, elle m'appartient. C'est ma chaîne, c'est moi qui ai fait beaucoup de choses. J'ai des amis qui m'ont aidé à payer des projets, donc des vidéos que j'ai fait faire monter, des shorts, des miniatures. Il y a beaucoup eu de choses où j'ai payé. Ah, le logo, bien évidemment, et la bannière qui s'affiche juste devant votre écran, que j'ai bien évidemment payé aussi. Hein, je l'ai pas dessiné moi-même. Et ouais, il y avait un peu de thunes claquées dans cette chaîne. Ouais, il y avait pas 100 balles, quoi. Il y avait bien plus. Du coup, ça fait un peu chier. Je suis très très triste. D'une part, parce que j'ai fait vraiment beaucoup travailler des personnes et puis mes amis aussi qui m'ont aidé, qui m'ont pas lâché durant ces années et qui auraient tout fait pour qu'on reparte. Même si aujourd'hui ils ne savent pas que je suis en train de tourner cette vidéo, ils auraient tout fait pour qu'on persévère, pour qu'on continue d'améliorer cette chose. Ils m'avaient même dit, même si dans tous les cas t'as plus de chaîne et que t'existes plus, essaye de repartir de rien et on recommencera. Tu vois, les mecs, ils étaient vraiment chauds et ils avaient vraiment envie qu'on aille loin. Et pour ça je les remercie parce que il y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens bien à côté de soi et c'est maintenant qu'il faut les remercier quoi. Donc merci à vous les gars si vous regardez cette vidéo. Donc on est le 6 mars 2024. Le 6 mars 2024 c'est une grande date parce que c'est une semaine où j'ai... En fait je suis en contrat d'alternance. Si vous voulez je suis en BTS. Je suis 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Alors pourquoi je vous dis ça? Ça a son importance et je pense que vous allez pas tarder à comprendre pourquoi je vous raconte ça. Il faut savoir que l'école, les cours, c'est des horaires vraiment, vraiment tranquilles. C'est, quand je dis tranquille, c'est du 8h-18h. Vous allez me dire, c'est abusé. Mais il faut que vous compreniez que quand je suis à l'école et quand je suis à l'entreprise, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Je vous apprends rien jusque-là. Et pourquoi je vous raconte ça du coup? Parce qu'en fait, l'école, quand j'y suis, je peux me permettre d'aller me coucher bien plus tard et de me réveiller bien plus tard. Quand je suis en entreprise, c'est pas le cas. Quand je suis en entreprise, je fais des journées de bâtard. Je vais pas m'en plaindre. Franchement, je m'en plains pas parce que j'adore ce que je fais et je suis épanoui dans le domaine dans lequel je suis. J'aime beaucoup et j'apprends énormément. Mais le problème, c'est que je fais beaucoup d'heures. Je fais beaucoup d'heures et forcément, quand je rentre chez moi le soir, la première chose que j'ai envie de faire,
C'est aller là, voilà, littéralement. J'ai juste une seule envie, c'est d'être ici. Il est tellement tard que je ne peux me permettre de jouer à mon PC, de le lancer pour quoi que ce soit, de checker tout ce qu'il y a à checker. Passer une vie comme ça, comme si c'était le week-end. Check, on a un peu plus de temps, tac, on peut lire, on peut se permettre de répondre aux messages des abonnés ou bien même des amis. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Et encore, j'abuse peut-être un peu parce que franchement, même le soir, des fois, je vais me coucher, il est très tard. Et je me permets de répondre aux messages vraiment les plus importants. Voilà, je trouve ça nécessaire. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, c'est là où je vais mettre en lien ma partie personnelle avec YouTube. Parce qu'en fait, ma chaîne YouTube, comme je le disais précédemment, elle m'appartient. Mais pas non plus à 100%. En fait, j'ai fait confiance pendant ces années à mes amis. Du coup, à des amis bah, comme Arcasia, Sky, Azeroth, des gens que vous connaissez qui ont, bah, qui sont tout le temps avec moi dans les vidéos, sur Discord, enfin partout sur les réseaux, ils sont avec moi. C'est mes potes, logique. Mais voilà, en fait, ils avaient aussi accès à cette chaîne. Cette chaîne YouTube, ils l'avaient. Ils pouvaient se connecter. Enfin, là, je vous ai dit les trois personnes les plus importantes, mais il n'y en a pas plus de 10. Voilà, allez, sur une échelle de 1 à 10, il y a 9 personnes qui devaient avoir ma chaîne, et encore si ce n'est abusé. Donc, toutes ces personnes-là, du coup, bah, c'est des personnes de confiance. Tous les jours, je leur parle, tous les jours. Voilà, on se raconte un peu ce qui s'est passé la journée, on joue ensemble, on fait tout ensemble, à part manger, bien évidemment, enfin, c'est du Discord, donc on se connaît pas réellement, mais bon. Et ce qui fait que, en fait, c'est juste un groupe d'amis à qui j'ai attribué de la confiance et qui, en fait, j'ai un peu la honte de le dire, mais j'accuse personne, encore une fois, mais je pense que sur tous ces amis-là que j'ai cités, je pense qu'il y en a une qui s'est permis de détourner un peu le tout et il se cache très bien et joue très bien l'acteur et il détient en fait la chaîne. Bah oui, parce qu'en fait, moi, à part ça, ma chaîne elle était bien sécurisée, enfin, j'avais un bon mot de passe, enfin, un mot de passe, enfin, franchement, pour trouver le mot de passe, voilà. J'avais mon numéro de téléphone, donc automatiquement, même si dans tous les cas, la personne se dit tiens, on va changer son adresse mail, hop, dans tous les cas, ça envoie, tu sais, ça envoie un message sur ton téléphone, donc tu le reçois, et puis soit tu dis oui, soit tu dis non. Mais là, en l'occurrence, je l'avais pas reçu. La seule chose que je n'avais pas, c'était le Google Authentificator. La seule chose que j'avais pas, c'était ça. J'avais une adresse mail de récupération. Cette adresse mail, elle était vraiment bien sécurisée. Pour la trouver, c'est pareil. Franchement, même moi, personnellement, en tant que mec hacker, j'aurais jamais pu me permettre de trouver ça. Enfin, franchement, c'est. Après, peut-être que je connais mal la vie des hackers, mais franchement, elle était vraiment bien sécurisée. Je vous dis, à part le Google Authentificator qui n'était pas là, elle était bien sécurisée. Et j'avais beaucoup de preuves, et j'en ai toujours des preuves pour justifier que c'est bien ma chaîne et qu'elle n'appartient pas à n'importe qui en fait. Donc, c'est là où je vais mettre le lien de l'école, ma vie perso avec YouTube. Maintenant que vous sachez que j'ai des amis qui la possédaient cette chaîne. En fait, le 6 mars 2024, du coup, si je me rappelle parce que j'étais en entreprise, je suis rentré tard, j'ai fait une grosse journée, une bonne journée assez crevante. J'ai regardé ma petite série juste avant d'aller dormir. Je crois que ce jour-là, je me suis co pas très longtemps sur Discord. Juste histoire de dire bonjour aux amis et puis aux abonnés qui étaient effectivement là. Ah oui, et en plus cette semaine-là, c'était une semaine où j'avais percé sur TikTok. J'avais fait un TikTok de bâtard. Un TikTok qui m'avait rapporté beaucoup d'abonnés. J'avais dépassé les 1500 abonnés. Donc du coup, je pouvais pas me permettre non plus de, quand je rentrais chez moi, d'aller dormir. Non, il y avait des mecs qui attendaient sur TikTok, qui m'avaient envoyé des messages privés pour leur donner du stuff. Oui, effectivement. Je vous explique pas ça, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que c'était une semaine vraiment chargée. Et cette semaine-là, j'ai rien lâché. Cette semaine-là, j'étais épuisé. J'avais juste envie, c'était de me reposer une bonne soirée, mais c'était clairement vraiment impossible. Donc voilà, je fais mes bails le 6 mars. Voilà, je permis d'aider des abonnés sur TikTok, des gens avec qui voilà, ils voulaient du stuff. J'ai fait le nécessaire, j'ai fait ma journée. Donc ça, c'était depuis le début de semaine, hein. Du lundi au jeudi, j'avais attaqué sur ça. Il y avait beaucoup de monde et tous mes amis peuvent vous le confirmer. Donc j'ai fait ça le 6 mars. Du coup, je vais dormir et là, paf, je me reconnecte le lendemain matin et je reçois ces quatre images là qui s'affichent à votre écran de tout ce qui a été fait sur la chaîne. J'ai chialé. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais comment c'est possible? Mais comment ça a pu être changé aussi facilement? J'ai pas reçu une seule notification, j'ai jamais reçu sur mon adresse mail personnelle, je n'ai pas reçu un message comme quoi, attention, une personne s'est connectée, nanani, vous feriez mieux de mieux sécuriser votre chaîne. Pas du tout! Google s'en battait les couilles, ils avaient pas envoyé un seul message d'avertissement. Mon téléphone, il a littéralement servi à rien, hein. Le téléphone bat les couilles. Le mec, il a changé le numéro comme s'il avait changé le bouquet de fleurs de la tombe de sa grand-mère, enfin. Il n'y a aucune difficulté pour le mec qui a réussi à modifier tout ça. Franchement, le mec, il a fait ça en 30 minutes. Je suis allé me coucher, donc du coup, je finis la fin de mon histoire. Je suis allé me coucher, il était 23h30. Je pense que cette personne-là savait que j'allais dormir très tôt. Enfin, très tôt, façon de parler. Elle savait que j'étais déconnecté des réseaux, que j'étais plus en ligne, tout ça, et que j'étais probablement en train de dormir, ou. Enfin, bref, je faisais d'autres bails. Non, je faisais pas ce que vous pensez, non. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce jour-là, à minuit, du coup, à minuit 30, la personne a commencé à toucher un peu à la chaîne. Et c'est là où j'ai
vu des modifications apportées à la chaîne. Enfin, je l'ai vu le lendemain, moi, mais c'est à partir de minuit 30 que la personne a commencé à faire des choses. Donc, il l'a fait de minuit 30 à 1h10 du matin. De toute façon, vous avez vu les screens et puis bah, vous avez les horaires. Donc, franchement, franchement, le mec, pour moi personnellement, je sais pas si un hacker peut se permettre en 2 secondes de faire ce que le gars a fait, ou si c'est juste un ami qui a pas trop galéré. Enfin, en fait, j'arrive pas à déterminer, je sais toujours pas si c'est réellement un ami ou si c'est un hacker. Mais je pense plus vraiment vers une personne que je connais, parce que j'ai un antivirus, enfin, j'ai pas reçu d'alerte, j'ai pas téléchargé des fichiers frauduleux, enfin, je l'aurais vu, puis bah je télécharge très rarement. J'achète des jeux en l'occurrence sur des plateformes, mais je fais pas de montage, je craque pas des trucs, je fais pas en fait. Donc là, c'est pour ça que avoir un hacker, enfin, penser que c'est un hacker qui a fait ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc c'est là où du coup le lendemain, bah, je me réveille, je pète un câble. Voilà, j'essaie d'envoyer un message à mes potes. Il était très tôt, hein, il était 5h du matin, forcément, parce que je me levais tôt aussi. Je vois ça, bah, la première chose que je fais, c'est j'envoie un message tout de suite à mes amis, Sky, Arcasia et Azrod. Je leur dis, bah écoutez les gars, il s'est passé quelque chose, ma chaîne a été piratée, je n'ai plus accès à ma chaîne. Est-ce que vous avez encore accès? Et je leur demande au cas où bah, ils seraient encore connectés et ils auraient possibilité de faire des modifications. Sky me répond en premier, il me dit non, 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 je n'ai plus du tout accès, j'ai été déconnecté, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, on s'arrête là avec Sky, on a un peu parlé, mais bon, après on s'est un peu éloigné. Je suis allé voir Arcasia, Arcasia m'a dit la même chose, il était plus connecté, il a essayé de se renseigner, il a rien trouvé, il était plus connecté. Et Azrod me répond un peu plus tard dans la journée et il me dit, yo mec, je suis plus du tout connecté, en revanche, je reçois toutes les notifications de ce qu'il fait, de ce que la personne fait. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la personne, s'il avait modifié les choses ou quoi, il le voyait, il recevait les notifications. Par exemple, s'il y avait une demande, enfin, une potentielle demande sur un truc en particulier, bah, Azrod recevait la notification. Moi, je la recevais pas, Sky non plus. Donc le soir, on est le 7 mars 2024, le soir, on vient tous sur Discord, on fait un appel. On dit bon bah voilà les gars, il s'est passé ça, ta ta ta. Moi je suis un peu effondré, je suis un peu mal à l'aise, j'ai un peu la haine aussi et la honte bien évidemment de ce qui m'est arrivé. Non mais en vrai voilà, je suis un peu ce soir-là, je suis pas très bien. D'ailleurs même la journée s'est pas très très bien passée pour moi. Je vous avouerai que se lever à 5h du matin, aller au taf et puis de se dire bah j'ai plus de chaîne. Oui non, bah non, du coup ça m'a un peu fait chier. Je m'en suis voulu un peu d'avoir prêté ma chaîne à plusieurs personnes, même si encore une fois c'est des amis de confiance et encore je mets pas non plus toutes les autres personnes dans la vidéo parce que ça. Enfin, franchement, il y a très peu de chances et ça les concerne pas trop. Puis bah, vous les connaissez pas donc ça sert pas à grand chose que je vous parle d'eux. Donc voilà, donc le 7 mars, on s'appelle tous sur Discord, on met au point tout ce qui s'est passé, on s'explique et c'est à partir de ce moment-là où Azrod me dit que bah, il est encore connecté. Qu'Azrod, il est encore connecté à la chaîne. Il arrive à apporter des. Alors là, c'était un vendredi soir. Bah, c'était la semaine dernière à l'heure où je tourne la vidéo du coup. C'était un vendredi soir et du coup, bah, Azrod est en week-end puisqu'il est à l'internat donc il s'est permis de venir en vocal pour nous faire un partage et nous faire voir ce qu'il voyait de la chaîne. Et effectivement, il était encore co. Donc on est le lendemain, donc on est le 8, du coup on est samedi 8, et je lui dis à Azrod, écoute, si t'es encore connecté, fais un test, essaie de changer le mot de passe. Il n'y arrive pas, c'est un échec. Il lui demande Google Authentification, donc voilà, donc là il peut plus rien faire. Hein. Même moi personnellement, j'avais déjà essayé de me reconnecter entre deux et de ravoir accès à quelque chose, mais vous vous doutez que tout a été changé, donc c'était clairement impossible. J'ai fait essayer une autre méthode. Vous savez ce petit message de bâtard là qui vous dit essayez une autre méthode, connectez-vous avec votre téléphone, nanani. Mais gros, mon téléphone a été changé, mon adresse mail de récupération a été changée, mon Google Authentificator est activé. Comment tu veux que je récupère la chaîne? Hein, réellement, comment? Comment tu veux? On est le 8, on est le samedi 8 et Azrod du coup lance un live dans l'après-midi. Il fait un peu le gamin, il l'a pas laissé longtemps, il l'a fait sur son téléphone, oui, parce qu'il était connecté sur le téléphone, parce que je lui avais demandé à un moment de poster un short, enfin on s'en bat les couilles, il l'a fait qu'une fois en plus. Et donc du coup bah il a lancé un petit live et puis bah tranquille, le mec voilà, il était connecté, bah nickel. Moi je me suis dit ouais, bah c'est bon, bah le mec il a réussi à lancer un live, c'est-à-dire que je vais pouvoir tôt ou tard récupérer ma chaîne. Pas du tout, parce que la suite elle est encore pire les amis. Donc on est le dimanche du coup, bah moi j'ai plus d'espoir, enfin plus trop, et c'est là que Azrod m'envoie un petit message et il me dit écoute Dragan, j'ai réussi à changer le mot de passe, voilà, je te l'affiche. Enfin, il me l'a donné en gros, il me l'a donné sur Snap et il m'a dit par contre, il y a Google Authentificator qui bloque. Donc même si en soi le mot de passe a été changé, t'as beau mettre le mot de passe, ça va forcément t'envoyer un message sur Google Authentificator. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait un truc.
Je me suis dit, je vais faire essayer une autre méthode. Et là, ça m'a envoyé un message comme quoi il fallait que je mette du coup une adresse mail de récupération. Genre, hormis celle qui était déjà attribuée à l'ancienne et celle auquel, c'était la professionnelle. Enfin, bon, même si elle a aussi, elle a été changée. J'en ai mis une autre. Donc, j'ai mis une autre adresse mail que j'avais créée entre deux. Je l'ai mise. Et ça m'a dit, mettez le code que vous avez reçu sur YouTube. À ce moment-là, je me dis, ouais, let's go, vas-y, c'est trop bien. J'ai juste envie de mourir là, vraiment. Il n'y avait plus d'espoir. YouTube m'a dit, il faut que vous attendiez 48 heures avant de récupérer votre chaîne pour qu'en gros, ils s'assurent que c'est bien moi qui fais cette demande et pas un mec inconnu, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc vous comprenez que je suis obligé d'attendre 2 jours avant de faire la suite, en fait. On est mardi. Mardi, on se réveille, on reçoit bien le petit mail de la demande que j'ai faite. Donc ils ont vérifié mon compte. On dit nous sommes désolés, nous ne pouvons redonner accès à cette chaîne, elle appartient déjà à quelqu'un. Enfin, j'ai plus j'sais... le message, je l'ai pas gardé tellement ce jour-là j'avais tellement la haine que j'ai pas gardé le message. J'ai vu que c'était mort, je me suis pas fait chier, je dis oh, ok c'est bon, on dégage le mail, on supprime tout, on quitte tout. On arrête tout, c'est fini. Et croyez-moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Et je ne le regrette pas à l'heure où je parle, parce que ça m'a fait du bien dans un sens, oui ou non. Aujourd'hui, je suis encore un peu... Mais j'ai quand même, je suis quand même passé à une autre étape. J'ai quasiment oublié la chaîne. J'ai plus d'espoir. Donc le mardi, du coup, c'est à partir de ce moment-là où, du coup, j'avais perdu espoir. Concrètement, hein, j'ai dit à Sky, bon, c'est clairement la fin de moi. Il faut que j'arrête. Je peux plus garder le même pseudo. Je peux plus... C'est fini. Le mec, il est mort. Il a plus de chaîne. Il a plus de TikTok. Oui, parce que mon TikTok a sauté. Hein. Le TikTok, je l'ai épargné. Mais le TikTok, le jour J, enfin, quelques jours après, il avait complètement disparu. Hein. Le TikTok supprimé. Alors que la chaîne YouTube existe encore. Et là, à l'heure où je vous parle, la chaîne YouTube existe encore. Les vidéos, ils sont toujours. Il n'y a pas de... Le mec n'a pas partagé, n'a pas fait quoi que ce soit avec la chaîne. Tout y est. Il y a tout. Ça, j'en suis encore... Enfin, je suis encore heureux pour ça, parce que rien n'a été modifié. À la limite, qu'elle soit supprimée, ok. Mais qu'elle soit modifiée et le mec apporte des trucs, genre nouvelle vidéo, tout ça, non, ça c'est pas possible. Ça, non. Ça, là, je pèterai un câble. Mais donc, du coup, je me suis renseigné à partir de ce moment-là. Donc, moi, entre deux, bien évidemment, j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai légué même mon Discord. Mon Discord, je l'ai abandonné. J'ai abandonné tout le monde, comme une grosse merde. Et j'ai pas honte de le dire. J'avais même fait un petit message. Le message, je vous le mets dans cette vidéo. Voilà, regardez. Bon. Du coup, petit récapitulatif de ce qui se passe en ce moment. Voilà, je suis désolé de vous faire un petit truc comme ça, là, un peu à l'impro. Je vais essayer de régler un peu la webcam pour vous faire voir un peu, du coup, moi, ma tête. Du coup, je suis pas réellement en forme vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Je vous prie de m'excuser pour ça. Bah voilà, je pense que vous êtes plus ou moins tous au courant de ce qui se passe en ce moment. Donc, inutile de vous expliquer. Voilà, je suis navré pour toutes les personnes qui vont malheureusement devoir trouver quelqu'un d'autre pour par exemple les PLS ou bien même pour leur remonter un peu le moral, si je puis dire. Franchement, sachez une chose, c'est que depuis que j'ai commencé à faire des streams, j'ai toujours voulu montrer le meilleur côté de moi et vous faire voir du coup toutes les capacités que j'avais en vous faisant comprendre les choses, notamment sur Sauver le Monde, pour ceux qui commençaient, hein, c'était le but. Ça m'a fait plaisir, j'ai beaucoup 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 appris aussi moi personnellement de mon côté. Et de voir vous transmettre tout ce que moi j'ai appris, franchement ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, je m'en vais pendant un laps de temps, je sais pas quand, peut-être que ça durera 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, je sais pas. Pour le coup, pour l'instant, la décision est prise, mais pour une durée que même moi, personnellement, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Personnellement, c'est pas une déception. Je pars m'isoler, j'ai envie de dire m'isoler quelque part, sans être perdu. Puisqu'en soi, derrière ça, j'ai quand même une vie professionnelle, j'ai les études, j'ai beaucoup de choses également à faire, à prouver aussi de mon côté. Donc je pense que je vais plutôt me concentrer sur ça ces prochains jours, ces prochaines années. Comme ça au moins on sera calé dans un domaine. Au moins on aura du boulot, voilà, on sera pas non plus à la rue, parce que sachez que je ne vis pas du YouTube, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été là. J'ai rencontré du monde en l'espace de 2 ans, c'est une dinguerie, les gars, vous n'imaginez même pas. Depuis 2021 que j'ai commencé sur Minecraft, il y a eu des tonnes et des tonnes de personnes qui m'ont aidé. Et franchement, franchement, les gars, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous aime, parce que
Vous avez fait ma fierté. Et aujourd'hui, je pars avec un sourire, une espèce de fierté que j'ai reçue de votre part. Du coup, voilà, c'est une fin, voilà, qui arrive, mes amis. Je suis désolé. Malgré ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à changer d'avis. Il y en a plusieurs qui ont essayé de me demander de relativiser, de garder espoir, de recréer tout ce que j'avais fait. Mais je pense que ce serait une erreur. Personnellement, je pense que ce serait une erreur de se relancer comme ça à l'arrache. Voilà, c'est mon avis et je pense que je vais me stopper là pour un petit temps. Donc voilà, c'était une joie. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. J'ai trop kiffé ces moments. J'ai beaucoup, beaucoup appris de choses et j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables. Donc merci à vous, merci à eux. Et puis bah, moi, je vous fais des gros bisous. Puis voilà, à bientôt. Et prenez tous soin de vous. Salut. Oui, c'était moi en train de chialer littéralement, enfin quasiment. En mode, j'avais plus d'espoir, j'étais un peu triste. J'avais plus trop de, j'avais plus quoi faire. Non, mais pour vous dire que bah voilà, du coup c'était la fin. C'était clairement la fin. J'avais plus d'espoir, j'étais triste. Ce jour-là, je voulais plus du tout entendre parler de quoi que ce soit. Mon nom, même mon nom, j'en avais honte. Je voulais plus du tout qu'on m'appelle comme ça. Genre, les gens, ils s'étaient fait une image autour de moi et moi, cette image, je m'y étais attaché et je voulais pas que bah qu'on m'oublie aussi simplement que ça. Mais le problème c'est que bah ça s'est fait d'une façon tellement nulle. Et franchement j'aurais tellement tellement préféré me voir crever. Franchement, genre ma chaîne en mode elle se termine sur moi qui annonce que bah je suis plus motivé, que j'en ai marre, je suis passé à autre chose, que de me faire hack comme une vieille bite. Et excusez-moi de l'expression, mais là c'est trop, genre je me suis fait vraiment hack comme une grosse merde. Genre, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, quand je dis hack, du coup, c'est soit un ami, soit un mec qui soit un hacker, hein, mais là je peux toujours pas confirmer qui aurait pu faire ça, qui aurait pu faire ce genre de choses, qui a osé faire ce genre de choses déjà. Donc voilà, donc bah moi j'avais arrêté tout. Donc j'ai fait ma vie personnelle, j'ai fait des choses, voilà, en une semaine, j'ai réussi à voir autre chose. Franchement, déjà, je rentrais très tard, donc parce que c'était ma deuxième semaine d'entreprise, donc je suis rentré vraiment très tard et j'avais autre chose aussi également à faire. Donc aujourd'hui, là, on est le 16, donc là, on est littéralement 10 jours plus tard. On est samedi et bah là, j'ai aucun accès. J'ai refait à maintes reprises, bien évidemment, les choses qu'on me demandait. J'ai, pour vous dire, hein, j'ai même contacté le team YouTube sur X et pas moyen. Ils m'ont pas du tout aidé. Ils en avaient rien à foutre. Genre, et en fait, ils ont juste analysé le tout. Ils m'ont envoyé une espèce de formulaire qu'il fallait que je réponde. Et puis, bah, à travers celui-là, j'avais été honnête. J'avais tout mis. J'avais dit que j'avais des amis qui avaient accès à cette chaîne. J'avais un compte Hyper Wallet. C'est là où je suis partenaire et rémunéré grâce à YouTube. J'ai fait toutes les démarches qu'on m'avait demandé. J'ai tout rempli. J'ai envoyé des screens aussi à travers ce petit formulaire. Mais pas moyen. Ils m'ont mis le même message que je vous ai dit là en mode on peut rien faire. Rien nous confirme que c'est vous. Enfin. Je dis bon bah dans ce cas-là bah allez vous faire enculer quoi genre donc voilà donc on est le 16, il est 19h à l'heure où je tourne la vidéo et franchement je sais pas quoi vous dire de plus pour ceux qui apprennent seulement que je me suis fait hack. Voilà, j'espère que vous tomberez un jour sur cette vidéo. Je sais pas si je vais la poster bah rapidement ou bon elle sortira ça c'est sûr, mais je sais pas si c'est sur une nouvelle chaîne, quand, à quelle heure et surtout si ce sera sur l'ancienne chaîne aussi. Je sais pas, là pour vous dire je sais pas. Oh putain la vérité gars. On vient de récupérer la chaîne, bah du coup le jour, bah le lendemain où j'ai fait le rec en fait. Du coup bah c'est cool. Je sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas été aidé de Google ou de Team YouTube sur X. Ah, comme ça, j'ai fait essayer une autre méthode et bah ça a marché. Pas compris. Bref, bah du coup voilà, j'ai quand même réussi à récupérer la chaîne. Du coup ça fait vraiment plaisir. Donc bah cette vidéo sera postée sur la chaîne principale. Du coup pas de chaîne secondaire. Voilà, pas en faire une tout de suite. Mais du coup voilà, ça fait plaisir, c'est cool. Franchement j'ai vraiment stressé parce que j'avais pas envie d'en refaire une. Enfin, c'était vraiment pas le moment, quoi. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis bah après là, il reste à récupérer le compte TikTok, mais le compte TikTok en soi il est supprimé, donc je sais pas. J'ai contacté les supports, mais bon, on verra après. TikTok c'est pas non plus, enfin c'est pas super dur de refaire du contenu là-dessus. TikTok vous connaissez bien, mais c'est facile, plus facile de monter, donc en soi juste à continuer le contenu que je faisais avant, je suis sûr que ça peut marcher. En plus il a déjà modifié tout, il n'y a plus rien qui a mon nom sur le TikTok, donc en soi je pense que je vais me refaire un compte. Et puis bah écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo un petit peu, enfin qui n'avait pas trop de sens en soi, mais voilà. Au moins, vous avez été mis au courant. Et puis, bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, bah, à très bientôt alors. Salut.